J'attends. T'attends quoi? Une pique? Une moquerie? Je sais pas. Rien à dire? C'est bien. Tu as appris à me craindre. J'avoue, t'es effrayant, Dario. Parce que t'as aucune idée de ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Je m'en sors toujours? Ouais, ça aussi c'est vrai. Je dois même avouer que t'as vécu un peu trop longtemps à mon goût. C'était bien tenté, hein, ce qu'elle a fait. Ça aurait pu marcher, hein. Si elle avait pas fait la même erreur que toi. C'est-à-dire? Me prendre pour un idiot. Un pleutre. À force d'entendre ça depuis qu'on est petit, on finit par le croire. C'est mieux que quelqu'un l'aide. Vous excuserez ma curiosité, mademoiselle, mais... voilà un moment que je m'interroge sur la raison de votre présence ici. Je veux dire, je me demandais de quoi vous souffriez. Ah. J'ai ces fourmis dans les jambes qui ne me quittent pratiquement jamais. Depuis que je suis toute petite. Et il n'y a que dans cette position que je les sens plus. Ou disons moi. N'en parlez pas, je compatis. Les fourmis dans les jambes, je sais ce que c'est. Moi, quand j'ai des fourmis dans les jambes, j'ai souvent des acouphènes en plus. C'est-à-dire que j'entends dans mon oreille les fourmis que j'ai dans les jambes. Bon, excusez-moi, il y a un bruit bizarre dans la salle, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ronfle. En même temps, moi je vous avais dit de pas aller voir Astérix et Obélix, hein, avec Skyfall au moins. Vous allez faire quelque chose ou j'appelle le directeur? Eh ben, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Je suis désolé pour tout à l'heure. Tu n'étais pas censé le rencontrer. T'inquiète pas pour tout ça, ce sont des problèmes de grands. Et n'oublie jamais. Je serai toujours là pour te protéger. C'est moi qui vais te protéger, papa. Excusez-moi, ça va passer. Qu'est-ce que c'est que ce bord? En même temps, si on est toujours en retard... hein. Tu vois, Thibaut, lui, il est toujours à l'heure. Et il est où, Thibaut? Une place pour la dame en noir. Oui. Ça fera 10 euros. Faut que je vous dise, je suis comme Daniel Radcliffe dans le film, je vois aussi une femme morte tout le temps. Je vois... Vous la voyez, là? Ouais. Vous me prenez pour un dingue, hein? Non, pas du tout. Mais ça fera 10 euros de plus. Ah, d'accord. Donc si j'ai bien compris, le mec, si on le fait pas rire, il meurt, c'est ça? Tirez sur mon doigt. Quoi? Tirez sur mon doigt, c'est marrant.